Bonsoir tout le monde, nous souhaitons une très bonne semaine. Jeudi, c'est lundi 23 juillet 2018. Bienvenue dans Téléjournal, dans sous télévision nationale d'Haïti. Mais grand titre. Travail bétonnage dans plusieurs rues dans centre-ville Limbé, démarré depuis semaine passée. À citoyens en commune ont exprimé contentement pour travailler sa cap fête dans le cadre caravane changement. Dans le cadre programme renforcement production de l'eau potable dans le pays, dîner pas, visiter jeudi à la presse, travail cap fête dans plusieurs stations dans le département l'Ouest. Là. Présidence Lan en tête collée avec mairie Delma avancé à programme infrastructure route qui pote nom construit trottoir mettez asphalte. Dans l'occasion 49e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir jeudi lundi un membre comité gestion centre ambulancier national docteur Didier Hérold Louis. C'était occasion pour docteur à parler sous mission Cannes, bilan activité comité ça à perspective. Conseil supérieur allait réaliser lundi 23 juillet à yon chita palé avec divers moun qui travaillent dans média yo dans l'idée pour collecter informations sur secteur pour compléter 5e rapport yo et puis remettre li bay pouvoir exécutif là dans mois août cap vini là. Dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, dans le pays Japon, période chaleur déjà la cause 15 moun mouri d'après bilan officiel. Yo. Médias locaux yo recensé 11 cas en mort pour celle journée samedi et puis plusieurs milliers moun te éteigné l'hôpital. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché, n'a pas tourné tout de suite à développement journal là. Il faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branche le journal lan sous télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui ensemble avec nous. Journal lan a démarré la caille nous dans page météo comme d'habitude et information sous temps, c'est collaborateur nous Wilner Polidor capoté pour nous. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique à nous lundi 23 juillet. Nous en début de semaine, bonne semaine à chacun de vous. On a vu comment la situation est sous région Caraïbes là. Nous avons un creux qui trouve lui au niveau de l'île d'Haïti au nord et creux ça qui en basse couche a influencé Caraïbes centrales là et Haïti nous en bas instabilité et c'est pour ça que je dis encore même si au cours de journée on a bien autant qui vente qui a bien vent avec soleil. Mais en fin d'après-midi, en soirée, il y a une possibilité pour quelques averses à pluie sous région nord pays d'Haïti. Cela veut dire département nord-ouest, le nord, le centre et l'Artibonite a concerné par activité la pluie. Mais en soirée et au cours de nuit, dans le département de l'ouest avec sud-est et la Grenance, a bien la pluie cap faible à modérer avec quelques coups de l'orage. Et c'est pour ça que des gens qui sont en zone Artibonite avec centre par rapport avec la pluie qui était gagnée hier dimanche, la zone a commencé à saturer. Nous demandons des précautions pour si toutefois tu as une zone qui est capable d'inonder. Pour capital avec zone qui est en lieu, encore aujourd'hui, on a un temps qui est 20h ensoleillé en journée, mais en soirée et au cours de nuit, il y a une possibilité pour que la pluie surtout au sud de capital, là, disons quartier qui au sud, Carrefour, Petit Gouave, Grand Gouave. Et vers l'extrême de l'ouest, capable de gagner quelques averses à pluie en soirée et au cours de nuit de l'an. En regardant la température, Jean-Noël, la température, il y a à la hausse sous le pays d'Haïti, Jean-Noël là. Et aussi, température minimale là, tout le côté là, fait très chaud. Mais pour capitale avec zone qui avait une bonne température, cap descend jusqu'à 34 degrés aujourd'hui, là, fait moins chaud par rapport avec la semaine dernière. Mais la nuit, on a senti effet de chaleur parce que le pape descend trop bas, c'est 25 degrés Celsius. La mer Ali peut agiter sous côté, mais côte sud-là, agiter à faute. Mais Gorge de la Gonave, pas trop souti pour capter nous
naviguer, sauf que par rapport avec la pluie que nous prévoit sous région Nord, visibilité après étude, nous demandons des capitaines, précaution avec prudence. Et pour page astronomique, soyez la prochaine jeudi à 7h27 et la pleuvée de matin à 6h23. Merci pour faire avec nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météo. Bonne semaine à chacun de vous. Merci Wilner. Nous sommes dit dans le grand titio. Eh bien, présidence là, en tête collée avec mairie d'Elma, avancé à programme infrastructure, route qui pote non. Construit trottoir, mettez asphalte. Yon équipe télévision nationale d'Haïti te fait yon viré-ronde en plusieurs rues en deux communes d'Elma qui déjà asphalté dans quatre programmes si là. Et puis l'autre rue, côté trottoir, yo presque fini. Sabine Jean-Étienne avec Jean-Noël Duvernay a présenté nous reportage ça. Administration président Jovenel Moïse là en tête collée à mairie d'Elma avancé sérieusement dans le travail pour valoriser la commune d'Elma dans le domaine infrastructure routière. Pour le mois de juillet 2018, là, il y a plusieurs grands axes dans la commune d'Elma avec plusieurs routes secondaires qui soient asphaltées, soit à faire à niveau. Équipe télévision nationale d'Haïti a visité pour vous, Rue Catalpa dans Delma 75 qui a le bout de Silo, Rue Casayol qui rive Silo, Rue Jacques 1er dans Delma 33, Rue La Montagne Delma 75, Oui, Marien Delma 31, pour ne citer ça ou seulement. C'est environ 4 km route qu'a construit, sans compter 2 autres kilomètres route qui sortit Delma 75, passé puis Blin, pour aller bout dans le bloc ambassade américaine. Chantier ça yo, c'est résultat caravane changement qu'a réalisé dans 4 programmes ça qui relaient construit au 3, mettez asphalte. Ceci, bon rapport, l'État central voulait établir à différentes administrations communales dans le pays. On a toujours été sous même lancé ça pour nous dire travail bétonnage plaisirie dans centre-ville Limbé démarré depuis semaine passée. Citoyens dans commune Limbé dit yo content pour travail ça yo cap fait toujours dans cadre caravane changement. Richardson Jourdan avec l'Aurore d'Orly Jean-Jacques pour plus de détails dans le reportage ça. Travail bétonnage plusieurs zones dans le département Nord pays a après poursuivre. Kounia, c'est tout par commune Limbé qui gagne quelques jours depuis béton commencé couler dans centre ville là. Travail ça qui entre dans cadre caravane changement commencé bailler quelque content dans mi-temps population par rapport à l'eau et puis la boue qui te connait bailler problème. Oui, me content route là qu'a fait là. En pile pour de l'eau. Pour de l'eau encore pour nous pas marcher dans de l'eau. Nous comptons pile. Nous comptons pile pour travailler ça qu'a fait là. Parce que moi-même, nous t'as passé un peu de misère. Et en plus, je vais demander aux députés à merci un peu pour ça y faire. À tout magistrat, à tout délégué, à tout président. Date la passe de misère dans ce moment-là. Pour si vous êtes là, pour la bon Dieu, ça nous joigne. Grâce à chef, on nous joigne. Nous comptons. Nous comptons et nous fêter. Nous comptons ça qu'a fait là. Député Limbé a Franzi Louis salué le travail équipe caravane changement a réalisé dans la circonscription là. Pendant le renouveler engagement pour continuer à courir tout travail qu'a réalisé en faveur de la population. Caravane arrivé sous nous t'attendons ça et nous que la population bien apprécié geste là et n'a demandé président continuer travail. Nous même nous souhaiter travail ça continuer sans camper parce que nous connaissons ça l'autre zone où moi commencer fait même gens Limbé tout nous pas souhaiter pour ta commencer pour ta camper. Nous demander plus accompagnement, supporter nous pour que toute fille capable joindre ça au besoin à temps pour que Limbé bénéficie du projet effectivement j'en prévoir là. Ce n'est pas seulement centre-ville Limbé qui est en chantier. Sur route nationale là, passé Kankok, Limbé, Boualbo de Vaudreuil, il y a un terrassement qui est déjà démarré. Merci Richardson. On va poursuivre ensemble avec Direction nationale de l'eau potable à assainissement d'INEPA qui fait une visite guidée avec la presse journal lundi 23 juillet dans diverses stations côté d'INEPA à travail dans le département l'Ouest là. Travail ça est entré dans le cadre programme renforcement production de l'eau potable, Banque interaméricaine développement à financer par Boïcite. Travail ça fait partie priorité président République là, Jovenel Moïse, pour de l'eau potable couler dans le robinet tout le monde dans la population. Sabine Jean-Étienne avec Jean-Noël Duvernay pour un reportage. À travers chantier ça y est, il n'est pas visé renforcer production de l'eau potable dans diverses zones dans la région métropolitaine. Tankou, Vivi Mitchell,
Route Frère, Gérald Bataille, Tabar et Peigné pour ne citer là seulement. Première phase programme nan, c'est faire 13 km canalisation, mettre en bon état différents réseaux distribution yo, équiper réservoir yo avec bon système pompage. Tant coup dans Water Vivi Michel, réservoir ça doit kembe environ 2000 m3 d'eau. Ça veut dire que son gros travail. Mais faut me dire nous à côté Banque Interaméricaine de Développement qui accompagne nous, et bien travail ça pas possible si pas gain cohésion en dedans cinq gouvernements. Tout au moins ça qui concerne les travaux publics. Ministère travaux publics accompagne nous. Eh bien, dînez pas bon côté nous avec toute direction régionale, plus particulièrement direction régionale Orepa Ouest, qui vient à la tête l'ingénieur Raphaël Osti. Mais tout, comme dit nous, coordination caravane changement, grâce à travers M. Jacques Thomas, toujours porté collaboration. Pas plus tard semaine dernière, eh bien, ne serait-ce qu'avec l'aide de Jacques Thomas de la caravane du changement, eh bien, nous tapions pile difficulté pour nous voyer une équipe tuyau à juste en savon, eh bien, pour nous aller reprendre le travail qu'a fait en savon. Et collaboration a toujours continué. Entre jeudi et demain, une équipe tuyau cap sorti en dans Port-au-Prince que gouvernement te mette à la disposition nous qui pral maïsade avec tout le monde mercredi ou bien jeudi gon équipe l'autre tuyau qui pralé juste Belader. Eh bien ça va gagner environ 15 jours conseiller spécial président à savoir monsieur Adouin Zéphirin qui ouais effort que nous t'a fait juste au cap pour nous faire tuyau vini. Eh bien il dit il pral mettre flatbed à la disposition nous. Après Vivi Michel ak Tabar, là nous na Pernier. Côté gen deux forages sous 8 forages qui sorti rivière Grise dîné pas à diriger vers différents réseaux. Là côté Nia là, Jean technicien saute ban information. Bon côté Nia Pernier là, c'est-à-dire au niveau de mairie Pétionville. Nous gen deux forages, chaque forage yo gon capacité de production qui avoisine entre 180 et 200 mètres cubes par jour. Eh bien, l'autre côté rivière grise là, à savoir quoi des bouquets, en conséquence, l'issue de l'obédience mairie qu'a des bouquets, eh bien, il y a 6 forages. Eh bien, Jean, monsieur Dubos Patrick, saute ban nous information, hein? Eh bien, appareil ça, nous aide nous là. Eh bien, même appareil ça, il y a une palote bois, rivière grise là, à savoir quoi des bouquets. Eh bien, c'est un tunnel qui a passé en bas rivière là, avec une profondeur de 20 mètres, eh bien, qui a permis que, eh bien, un gros tuyau, d'environ 600 mm, 500 mm, a permis, eh bien, 6 forages qui sont à côté quoi des bouquets là, et 2 autres qui sont à côté Peña, reliés ensemble, eh bien, qui pral ban nous une production d'environ 32 000 m3 d'eau par jour. Technicien ou mande population prend installation dîné pa yo en considération parce que c'est dans intérêt yo toute réalisation sa yo a fait. C'est tout ça que nous posons, c'est qui travaille ça divisé en 4 tronçons qui va permettre nous augmenter production et faciliter changer horaire moun yo. Moun yo gen 2 jours d'eau que nous pral arranger ça puisque nous pral gen plus d'eau sous R120. Mondel ba on parle améliorer Gérald Bataille moun ça parle améliorer et moun Vivi Michel qui pas de gain de l'eau nous pas capable ba de l'eau planifier façon ou redistribution pour satisfaire tout le monde qui n'a plus rien pour mieux alimenter zone qui a premier sentir c'est zone Delmayo qui est extrêmement important avec zone Gérald Bataille pour commencer sentir les travaux ça commencer dans fin décembre pour qui ça c'est parce que réservoir R120 qui existait depuis que nous portons de l'eau nous rivé l'autre bord c'est évident que on gros amélioration. Nous avons quelques difficultés nous joindre dans la zone avec incompréhension et mais tout si c'est pas une bonne collaboration mon Dieu certaines fois nous pas arriver faire tout volume de travail ça mais malgré tout nous avons des difficultés avec population certaines fois que nous demandons de comprendre nous et comprendre que le travail qu'a fait son travail qui est extrêmement important pour nous capables d'améliorer nous connaît tout pas tout bien besoin mais nous voulons finir avec travail ça pour nous capables d'améliorer conditions de l'eau. Travail renforcement, production de l'eau potable, joint financement, Banque Interaméricaine Développement BID. Maître d'ouvrage là, c'est Dinepa dans tête collée à Orepa Ouest.
d'un film d'exécution qui portait nom Un Katema Soeko et film de supervision, c'est ça fait. J'aimerais poursuivre avec le programme Kaipam Cléréen qui arrivait dans la commune Terre-Neuve. Côté environ 450 familles bénéficiaient kit en poule pour retirer au Nanfait Noir. Distribution s'est faite week-end passé en présence de quelques autorités politiques dans la zone Silla. Falande Delphin avec Hervé Pierre, reportage. Kit ça qui gagne un panneau solaire à 4 ampoules a permis à population dans la commune Terre-Neuve recharger téléphone, écouter radio et puis clairer caillou. Autorité dans la zone qui a participé dans la distribution ça, félicité programme ça et dit qu'il peut aider à améliorer les conditions de la vie de la population. C'est un bain d'attente depuis longtemps et ceci depuis le président Jovenel est venu dans la commune Terre-Neuve. Femme c'était une opportunité que le monde Terre-Neuve a gagné du fait que le président est venu ici par hélicoptère, laissé en campagne et il te dit. Pour faire tête au Brésil, tu es passé par route. Et là, ça sort aujourd'hui, qu'il y a une nette amélioration. C'est pas l'été existé. C'est sous chaos, c'est où je t'ai marché. Mais depuis l'avènement du président Jovenel, nous t'ai dit que faut commune de neuf changer. Et le président Jovenel t'a dit que lui-même, la travaille avec nous-mêmes qui est lieu, que depuis que le magistrat Azek pour permettre qu'on le changement, on le figure dans la commune de neuf. Et c'est comme ça, le programme Kaipam Cléréa, et nous t'ai inscrit tête nous là-dedans, dans la commune de neuf. Et combien d'années t'es inscrit dans Kaipam Cléréa? Et c'est comme ça, journée jeudi, samedi, nous voyons que, et sa présidente dit, il concrétise. Ça veut dire, dans la deuxième section, communale Terre-Neuve, il y aurait les bras neufs. Donc, toute localité qu'elle gagne là-dedans, jeudi, elle a bénéficié d'un kit solaire et qui permet que 215 ans, depuis que nous vivons dans la tête guidable, dans la bonne bêche, nous avons dit, dans la petite baleine, nous avons boulé caillou. Quand il y a des problèmes, je dis à moi son contentement tout le monde a juste rester la caillou pour avoir lumière en poule et tout ça a fait après 215 ans. Pour journée aujourd'hui, nous avons 450 familles qui touchées. Et il y a d'autres qui sont en cours qui viennent pour nous être capables de près de 500 familles pour nous mettre que et programme qui était 500 familles par section communale là capable de toucher entièrement dans la deuxième section communale de Terre-Neuve et de Bois Neuf. Il y a c'est un gros jour pour tout le monde dans la deuxième section Bois Neuf. Côté président Jovenel Moïse, à tout le staff qui ensemble avec vous, voyez lumière pour tout le monde, nous-mêmes, Kazek, qui est dans la section communale, nous sentons valer, nous augmenter, président, augmenter valer, nous devant toute population qui vit dans la section communale, c'est pas ton bagage, vous jamais pensé dans la vie, vous êtes capable de jouer, je dis à paysans, gain lumière, caillou, clairé, vous pas plus mettre la bobèche encore, bah, qui pour la fumer, gain des fois, ou ti moun yo kon leve matin ti bébé là ou leve ou fou men nan tourner ti moun non gado wè kras la fime en tournoi yo di a grâce à président Jovenel Moïse ça fini pour nous plusieurs moun nan zone nan remercie administration Moïse là pour programme ça yo fait konnen ki ça pral servi yo pour clairer kayo mais tout aider économiquement parce que yo pa nan acheter baleine à gaz pour lan tête gridap encore kay pa m clairer a soya m senti m content. Et je profite de l'occasion pour me saluer le président Jovenel Moïse et tout le gouvernement. Et je me sens fier tout parce que à ce moment je suis en lumière. Et hier soir, je suis passé. Hier soir, je suis dans le cas là, c'est la tête grise de la plume. Mais quand je suis en lumière, je ne peux pas grâce à président Jovenel. Grâce à président Jovenel, parce que je me sens content. Parce que je suis dans la tête grise de la même bien belle lumière, je me sens à l'aise. Depuis que je suis petit, je me suis dit que je suis parce que ici, c'est un petit côté qui est en cache-cache. Mais pour le moment qu'on y a, depuis le président Jovenel vient nous représenter, il fait vivre, il vient dans le bouc ténèbre, il parle avec nous, mais qu'on a bon Dieu va aller chanter, nous avons pris bon Dieu d'inviter pour M. Autonome, pour tout un temps. Et pour y aller, je vais gagner ça. Tout le président passé. Tout le président passé, l'élite passé, et première fois. Moi, ça. Et ça va dire, je dis merci à toute famille qui est ensemble avec lui. Un pile merci. Et ça fait pour moi. Programme ça qui a commencé dans la troisième section communale, c'est vrai, dans le Tiburon, déjà permet plusieurs milliers de familles dans la zone rurale de retirer le coyote dans le fait noir. C'est le principal objectif du président Jovenel Moïse.
Dans page éducative, le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet, honoré Jean-Aurel Jeudi, citoyen 76 l'année, qui était réussi dans l'examen 9e année fondamentale. Le ministre de l'Éducation nationale l'a salué, j'efforce à détermination Jean-Aurel Jeudi, qui, malgré l'âge, lui, retournait souvent l'école. Dans l'occasion, responsable ministère a profité fait connait, l'État haïtien a commencé à faire des marches pour construire environ 12 000 salles de classe dans le pays. On suivit un extrait. Dans le niveau gouvernement, notamment avec le président Jovenel Moïse, qui prend engagement pour créer 15 000 nouvelles salles de classe pour permettre tout le monde à l'école. Mais nous, dans le pays, tout côté, il y a des gens qui partent à l'école. Et c'est dans le même pays, ça nous joint. Je dis Jean-Aurel, 76 ans, qui a une nécessité pour la composer dans la 9e année. Et il passe, il va le faire secondaire 1. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui vient d'encourager nous tous. Nous disons nous-mêmes, il faut que nous augmenter le parc scolaire pays d'Haïti. Et je dis, après avoir parlé avec nous là, dans le plateau central, seulement pour PBT, il y a 12 nouvelles écoles qui vont construire avec aide pays Japon. Mais quand pile l'autre école qui vont construire avec trésor l'État, je dis, après avoir parlé là, nous avons plus de 150 écoles qui sont déjà en construction. Nous avons 30 lots à travers le pays à vie. Le marché a pas lancé pour y construire. Parce que nous regardons les résultats. Nouveau secondaire dans le département centre, c'est 100% du monde qui passe. Toujours dans le sujet ça, Jean-Aurel Jeudi remercier l'État haïtien pour l'initiative qu'il prend pour capable honorer le citoyen 76 l'année à encourager l'État haïtien à faire plus d'efforts pour permettre plus de monde gain accès à l'éducation dans le pays. D'après lui, c'est seule éducation qui est capable de lever une nation. Yon bout dans la déclaration. Pour tout pays qui veut gagner un développement durable, c'est un élément clé qui va lever nos pays en dignité devant toute notre nation. Dans tout pays qui gagne un bon gouvernance, l'État doit assurer que tout le monde qui est large pour aller à l'école n'a pas ni la caille ni la rue. C'est donc ça qui permet ce gouvernement passé à sous autorisation ministre de l'Éducation. À l'époque, l'école nationale du pont qui est continuée avec classe fondamentale. Il est tout facile, il donne à 73 ans un rythme à l'école. Je suis arrivé dans la classe de Vienne, je dis, à 76 ans, pour retourner l'école, non seulement pour concrétiser rêve, mais aussi voyer un message clair pour la jeunesse en Haïti. Dans l'occasion 49e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir jeudi lundi 23 juillet, yon membre comité gestion centre ambulancier national qui c'est docteur Didier Hérold Louis. C'était occasion pour docteur Didier Hérold Louis parler sous mission Cannes, bilan activité comité s'il a réalisé dans l'institution. Perspective ak difficulté. Rachel Saint-Fort ak Loor Dorly Jean-Jacques pour un reportage. Gérer toute urgence, tout côté, tout temps. C'est slogan centre ambulancier national qui gagne pour mission porter assistance ak secou bay moun ki blessé, malade, femme enceinte, tout monde qui gagne besoin tout côté dans pays a d'après docteur Didier Hérold Louis.
Selon Dr. Louis, Centre ambulancier national démarré à 30 ambulances sorti 2012 rivé 2015, dépassé à 70 ambulances et puis jodi a gen plus passé 50 ambulances qui fonctionnel. Gen 12 ambulances qui réparées. Gen 11 nouvelles ambulances qui fait que vini qui va l'ajouter dans flotte là. Gen 14 ambulances qui en attente de réparation et m'a précisé m'a profité dit que le Centre ambulancier national dérapé en 2012. L'été dérapé avec 30 ambulances. 30 ambulances que coopération brésilienne t'a offri. Et de 2012 à 2015, Centre ambulancier national vient passer à 70 ambulances. Et une ambulance qui a une durée de vie tant que tout véhicule. Et ambulance lui-même, les gombas est particulier là-dedans, une ambulance fonctionnait, il y a 100 ambulances qui fonctionnent 24 sur 24. Donc, l'organe et une quantité d'ambulances qui a fait fonctionner 24 sur 24, et durée de vie à l'évine pipiti toujours. Machine Zayo, c'est des machines qui travaillent en pile. Donc, au Vinjouen, dans l'année 2015, l'année 2016, il y a un pile d'ambulances qui a tombé en panne. Il y a un pile d'ambulances qui a tombé en panne. Et c'est ça qui expliquait, je dis à ces 51 ambulances sous 72 ça, qui fonctionnent. Et nous sommes capables de dire entre 51 et 60 les aussi. Pour ça, entre 51 et 60, parce que hier, le Mkerele dans le sud-est, par exemple, il y a 6 ambulances qui étaient fonctionnelles jusqu'à vendredi, mais il y a un qui prend panne samedi. Donc, ça vient de faire que. Ces 5 ambulances que nous mettons fonctionnelles dans le sud-est. Et toujours pour entretenir matériel roulant, ça, pour permettre que matériel roulant soit fonctionnel, que véhicule soit fonctionnel, qui a bail service, actuellement, dans un nouveau local, Centre ambulancier national, il y a un garage. Il y a un garage qui a une capacité pour faire réparation machine. Il y a un garage qui a une capacité pour faire entretien dans la machine. Il y a une quantité matérielle pour joindre nos ambulances. Et ça a été arrivé que, effectivement, et ambulance te qu'on a sorti soit au manqué matériel soit gain de matériel si on fait 3 4 urgences matériel là fini. Donc dans sens ça ministère santé publique lui-même à travers fonds qui disponible dans trésor public, il fait acquisition dans mois d'avril qui s'est passé là et un stock matériel qui capable permettre centre ambulancier national kembe pendant 6 mois. Si ambulancier pour mon centre ambulancier national, centre d'appel là, c'est quel? D'après explication responsable CANIO qui fait qu'on est pour zone métropolitaine, non, il y a eu géré 1200 cas urgence chaque mois. Centre d'appel, ça, qui n'a pas gardé là, c'est nouveau centre d'appel, le centre ambulancier national là, qui gagne 12 postes, de façon simultanée. Tous les 12 postes, ça, sont capables d'occuper, complètement informatisés, qui pas gagne rien à envier à un centre d'appel dans un pays, dans le Caraïbe là. Et c'est un centre d'appel qui permet, avec technologie que rien là-dedans, que appel a passé de un poste à un autre. C'est-à-dire, si le premier opérateur a lui-même son appel déjà, automatiquement, appel là, il a passé à deuxième opérateur, troisième opérateur, et une après l'autre. Et, dans ce sens-là, il permet de réduire le temps d'attente. Pour me faire tirer toujours dans ce centre d'appel là, c'est mon ça que nous sommes gardés là, qui a recevoir près de 2000, un peu plus de 2000 appels par mois. 2000 appels téléphoniques par mois. Et ces 2000 appels téléphoniques, ça, qui permettent que nous gérer, l'ambulance prend la rue, en moyenne 1200 cas d'urgence. Et là, m'a parlé uniquement de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, la grande aire métropolitaine de Port-au-Prince, avec différentes communes, là, d'ailleurs. N'a géré 1200 cas d'urgence, nous intervenus, nous bail assistance, là, 1200 cas d'urgence par mois, à partir de centre d'appel, ça, qui les mêmes a prié appel, yo. Fait promotion pour numéro urgence 116 là, réorganiser personnel réseau, augmenter pour vertical dans le pays, aménager une salle formation avec un réfectoire, par pays, une structure prise en charge urgence préhospitalier, élaborer un plan d'affaires pour CAN, former population sous premier soin avec ses coûts. C'est parmi différentes perspectives responsables CAN pour permettre institution ça, par population service comme ça doit. Merci Rachel avec Darly. Conseil supérieur salaire réalisé lundi 23 juillet 2018, yon chita palé avec divers moun kap travay nan media yo nan l'idée pour collecter information sous secteur. Information sa yo doit permettre CSS la compléter 5e rapport li et puis remettre li à pouvoir exécutif lan nan mois août kap vini la. Polycarpe Pierre-Joseph, représentant secteur travail yo nan CSS lan, promettre discussion à continuer avec tout l'autre secteur et puis CSS là à prendre en considération revendication tout secteur si là yo. On écoute plus explication dans micro Louis-Nel Jean-Louis avec Hervé Pierre. Le 28 et le 29 juin, nous avons fait deux journées d'atelier
côté nous avons réuni des sociologues, des économistes, pour nous chercher informations pour être capable de servir nous de base pour élaborer le cinquième rapport. Là. Parce que l'année dernière, il y a des représentants de travailleurs qui ont dit que l'information était utilisée, était fausse. Et comme nous connaissons d'abord sous information IHSI, Banque Centrale, comme taux de référence pour taux d'échange, qui base de travail, c'est SSLA. Donc, puisque l'information, ça apprend qu'on sortit dans IHSI, nous avons invité IHSI, nous avons invité Banque Centrale, nous avons invité ministère du Commerce, ministère des Finances, pour nous brasser l'idée ensemble avec des sociologues et économistes. Parce que cette question salaire là, il n'est pas seulement la guerre en chiffres. C'est une question la guerre n'importe qui genre, il y a un impact sur l'économie. Nous même en tant que travailleurs de la presse, nous gagnons un problème par tout que CSS a besoin qu'on ait. Parce que nous faisons partie du secteur privé. C'est seulement pour question de l'État, CSS là, pas réagi sous lui. Donc par contre, nous te voulons venir pour nous tendre des problèmes, pas nous tous, parce que nous t'avons invité, pas ton dépresseur, il n'y a pas venu. Nous t'avons invité, ministère de communication, qui t'est doué là, tout pour nous mettre l'État, patron ou un travailleur. Malheureusement, exercice ça pour matin, il n'est pas fait, mais nous allons essayer de garder, entre jeudi lundi, puisque nous avons rencontré l'autre groupe après-midi, mercredi, nous avons rencontré, vendredi, nous avons rencontré avec Gros Mossoa, qui fait plus bouillard que le secteur textile là. Et nous décidons, comme je disais tout à l'heure, d'inviter les représentants travailleurs dans le secteur textile là pour venir chita ensemble en face. Rappelez-nous qu'en mars, nous avons dit que le 1er août, il faut nous débattre rapport là, de façon que la loi 2009 là, demandé c'est le 1er octobre. Même là, nous ne font pas qu'être temps, c'est le 1er mai, mais la loi 2009 là, dit c'est le 1er octobre. Nous même CSS là, depuis l'année dernière, nous voulons mettre dans respecter la loi 2009 là. Et année ça, nous avons dit, nous avons mis le rapport là, 1er août. Et c'est ça que nous avons mis le bouchée double pour nous finir faire rencontre et pour nous acheter en négociation. Toujours dans le sujet ça, eh bien, le ministère des Affaires sociales et travail, à travers direction travail, a continué à forcer les patrons à respecter l'engagement d'après le président du conseil supérieur Saléo, Gerline Jean-Louis. Non sans ça, ils promettent pour continuer à accompagner les travailleurs. On suit. Pour le secteur textile, ils respectent ça, les minimum de bail là, respectent. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que notre pas bail tel bail qui fixé, tel salaire qui fixé dans le textile, sinon on a une inconformité, non conformité. Et non conformité, ça, nous jouons de tout l'autre côté dans l'autre secteur. Cependant, depuis nous, Kassa, nous jouons de Kassa, inspecteur, nous jouons de Kassa, le ministère des Affaires sociales, il y a eu le ministère des Affaires sociales, le ministère des Affaires sociales écrit, et responsable d'entreprise là, pour que lui mette le conforme par rapport à la loi 87, par rapport à la convention 87, alors, par rapport à la convention 87, par rapport à code du travail là. Ou là, c'est comme ça que le fait. Et nos conformités jusqu'à ce que yo résoudre le problème dans le salaire normal. Parce que pas oublier, me dit nous que le salaire qui est fixé pour le segment, c'est le salaire que plancher lié. Ça veut dire que petit comme moun nan ka jwenn. Ça veut dire que nous toujours parler de professionnel, un professionnel qui fait un travail, lui-même, il négocie salaire pas. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le salaire minimum. Le salaire minimum, c'est ou engager un monde pour baler la cour, ou engager un monde pour. C'est pipiti. Parce que imagine, quand on a parlé dans le textile, là, nous tout le monde focus sur le textile. Il y a des gens qui font 500 gouttes par jour, il y a des gens qui font 600 gouttes, il y a des gens qui font 700 gouttes par jour. Oui. Mais quand il y a des décisions qui m'ont arrivé au tribunal, oui. Quand il y a des décisions, par exemple, on fait inspection, on arrive à la non-conformité, on a plein de revendiquer. On va parler de secteur, secteur directement, on va parler de tout secteur en général. On a plein, on est là, on a venu là pour défendre l'affaire sociale. Les rives en affaires sociales, ils ont convoqué et mettre entreprise dans, ou bien et secteur commercial, ou bien hôtel, ça dépend de côté lié. On a plusieurs convocations, parfois, on a rive à, parce qu'on est, quand du travail à lui-même, il dit que, mais comment on a révoqué au monde. Depuis, on a fait ça, ça a pour le faire, il y a des articles 44, il y a des articles 45. Li kaba moun nan prestation légale li. Li voye l'aller parce que di que sou pa te mette moun nan au courant, pa te gon préavis. Parce qu'il faut t'aviser moun à l'avance, sou pa fèl. Ou a paye li normalement en monnaie, ou a bali en kòm. Ça veut dire que ou a ba moun nan, ça dépend de combien de temps moun nan gen entreprise là. Ça veut dire que ou pa le vérifier préavis, par exemple si moun nan gen 3 ans d'entreprise là avec un grand jus sou li, ou ka konnen ça et ou konnen gen temps pour bali comme préavis. Si moun nan gen 10 ans, ou konnen gen 4 mois préavis pour bali. Vous comprenez ça veut dire ça, ça veut dire que ou a garder
combien de temps on a passé et puis pour mon sous révoquer si on n'a pas d'accord j'ai révoqué à l'ivoire les affaires sociales service conciliation les autres en conciliation si bah la carrière tribunal c'est ça fait toujours un paquet de dossiers dans tribunal spécial travail. Moment arrivé, amis téléspectateurs, pour nous faire l'autre pause dans le journal, ça a été branché, Neptune. Journée en pas de facile. Où tout est ça? L'autre nègre qui est occupé dans la mine, non? Il y aurait le nous pour venir pour tes mains. Et c'est là ça, moi ouel. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça aux jeunes force courageux dans un bien qui tient qui gagne âme un bien solide solide tant coup Turbo King ses affaires garçon toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle chérie je travaille dur on passe nos cache Belticaï ça oui Belticaï nous gati mon l'école nous pas payer université voyage retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est dans quoi vous êtes là? Pas courir dit ça. On va qu'on parle à qui ici. Et ici a fait de nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. Et ici, il y a FlexiCash. Il aide au fait économie pour qu'on joue l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans et ici, nous portons solution. Décision. C'est non même lié. Est-ce que mon problème c'est l'acheter comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je vais continuer à t'aider madame avec toute famille. T'aider madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC nous porte des solutions pour tout assurer. Prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 le jour. AIC, c'est moins ce problème, plus solution. AIC à faire. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash. Désirable. Oubliez rêve ou bignon réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Ourel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte les billets grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant coup, kiss, fibro, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Ruyel Mairie numéro 12 ou bien relé dans 37 48 02 et 42 56 51 80. Et puis, visitez-nous sur le site Ventou. À Clinique Fertile Ourel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Merci parce que nous toujours été branchés. Deuxième tranche en journal là a démarré ensemble avec président commission finance dans Grand Coa, sénateur Jean-Rigo Bélisère. Qui a annoncé commission 1 a gain pour organiser plusieurs réunions travail à quelques économistes et puis divers secteurs en vie nationale pour analyser budget rectificatif 2017-2018 là. Ministre financement a déposé 28 juin passé à budget ça qui est évalué à 156 milliards goudes dans Sénat République là. Sénateur Jean-Rigo Bélisère expliquait. Il a invité plusieurs ministres pour discuter sur l'argent qui répartit pour fonctionnement ministère. On suit. Le week-end passé, nous avons lancé un ensemble de rencontres
Donc demain nous allons nous rencontrer avec économiste. Nous déjà président Sénat sous demande nous de vos commissions déjà fait invitation demain après première rencontre nous avec ensemble économiste parce que l'objectif nous c'est rencontrer tous les secteurs en façon pour un bon point de vue sous le budget ça. Gouvernement qui c'est principal conseil là et vous vous défendre budget là alors que mon gouvernement démissionnaire comment on fait? Bon, si nous prenons la Constitution 1987 avant amendée, l'article 165 dit que le gouvernement démissionnaire il doit rester en fonction jusqu'à ce que au grand l'autre premier ministre et dans cas ça il vient pour liquider les affaires courantes, ça veut dire les affaires en cours. Pas oublier budget ça a été étant déposé avant même gouvernement de démissionnaire, donc nous avons considéré budget rectificatif là comme en affaire qui est en cours. À partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous sommes capables d'inviter les ministres, parce que nous parlons des affaires courantes, jusqu'à présent, pas de loi qui détermine les affaires courantes. Et les nous, y égard à la Constitution de 1987, à l'article 165, nous ne voyons pas aucun inconvénient pour que nous puissions rencontrer les ministres. Cependant, dans la pratique, nous toujours rencontré les ministres et au niveau du Parlement. Mais c'est une loi qui dit qu'il doit rencontrer un ministre. Et là, pour analyser d'un budget d'un loi, il faut que c'est exactement au niveau du Parlement pour rencontrer. Donc, c'est ça qui fait que si, normalement, on n'est pas obligé de rencontrer le ministre, ou t'as obligé Chita ou analyser le budget, si pas un inconvénient, si pas des questions qui sont importantes pour poser au ministre, ou t'es qu'à faire analyser ou faire rapport et puis ou voter. Cependant, si il y a des questions qui sont intéressées pour rencontrer un ministre, nous avons une équipe technicien et nous-mêmes au niveau commission, nous sommes capables toujours de rencontrer le ministre pour nous discuter un point qui est important en tant que budget à vos nations. Nous profiterons ensemble avec le président Sénat République, Joseph Lambert, qui annonçait dans le cadre d'une séance plénière, l'Assemblée sénatoire a réfléchi sous façon qu'il est capable de couper dans le budget parlement et puis couper dans le privilège parlementaire. D'après sénateur Lambert, population en paouet trop bien, ensemble privilège, sénateur et député à recevoir, ce qui baille une mauvaise perception contre Palman. L'abdi nous plus. Gagné en pleine conscience qui dégage bon côté, en pile collègue, bon côté assemblée pour que nous fassions Sénat avancer autrement. Gagné en pile dans déclaration sénateur. Gracia, mais autocritique, non que demander pour nous faire, et lui-même il a commencé à faire autocritique par là. Et nous avons senti que le sénateur Gracia a dit que l'impératif pour que nous agissions en pile sur ce que nous avons considéré, le grand public a considéré comme la geste que nous avons dans le Sénat pour que nous. Dans le prochain budget, nous agir sous lit et faire en sorte que nous essayons de réduire le budget, nous réduire le train de vie, nous, pas bon ici, autant que nous sommes capables, mais par la même occasion. Il était précisé tout. Si le sénateur a vivre tout avec salaire, avec minimum que vous gagnez, il faut que les gens qui ont voté nous, il faut que les militants, ben nous opportunité au moins pour que minimum que nous gagnons, nous capables au moins vivre avec les tout comme sénateur de la République. Pour que enterrement passe au compte nous, veille là tout passe au compte nous, question rara passe au compte nous, loyer caille là passe au compte nous, payer l'école là passe au compte nous, baptême, mariage, communion, confirmation, payer caille, payer université et autres, etc. Pour que tic-tic-tic-là, n'en faites pas trop Ronaldo, pour dire au moins. Bah, ça n'est pas sous compte nous tous. Parce que le strict minimum que nous avons gagné, nous sommes prêts pour vivre avec lui, mais il faut qu'au moins le grand public sache que le minimum que nous avons gagné, nous ne pouvons pas offrir lui. Parce qu'il a fait des considérations côté des sénateurs qui ont parlé tout dans le sens que le parlait, il a fait sentir que nous nécessité tout pour que au moins ce public-là connaît, et la population connaît, c'est comme ça que nous avons évolué, comme ça que nous avons vécu. Pour que la population ait choisi et voté mon tout, non pas sous sa cobaye, ou bien ça a demandé au 24 sur 24,
pour capable au moins assurer un vote parce qu'il a vu des députés, il a vu des sénateurs. Et moi-même, tant qu'en pile ancien là, les Sorel, les Franceney, etc., pour ne citer que les Wanik, pour ne citer que Yuri la Tortue, pour ne citer que ceux-là, eh bien, nous, ouais, des sénateurs qui jouent aujourd'hui à fait taxi, dans pas au presse. Nous, ouais, des sénateurs qui, moi-même, nos sénateurs Pétionville qui prend pas de gaz avec un galon en main, nous achetons un galon de gaz. Moi, des députés qui, eux-mêmes, en province, moi, dans qui état que. Pour les qui ça, parce que pendant tout le mandat, la population est tellement harcelée, il n'y a tellement pas bonne chance pour que au moins au strict minimum qu'on gagne, on vive avec lui, les mettre dans une situation où on est obligé d'endetter tête, ou obligé de dépenser plus que son gagne, ou obligé en permanence en quête d'un minimum pour obliger faire face à lui. Et par conséquent, le sénateur Delva dans le plaidoirie, eh bien, il dit, demander à ce que, pendant que nous faisons ça, il faudrait que la population soit informée. D'où. C'est la même position en tout bon côté sénateur Fosnay, qui a eu le courage, et je dis bien le courage, de dire que si dans le mandat de parlementaire li, ou bien de sénateur, il estimait que il était gagné des moyens que le Sénat ou bien la République te mettait à la disposition ni, et que d'estimer que moyen ça a fait du tort au moins à la population, et bien demander population hein, et pardon pour utiliser propre mot parle. Il en est de même pour le Sénat, la sénatrice Dieudonne, qui font plaidoyer pour femme et tout, et qui croit que je dis, faut qu'on nous bataille tout pour que nous pas à mettre dans une situation où nous avons des responsables, des gens qui sont très valables, des gens qui sont très compétents, qui sont obligés, l'État, pays, pas quand même faire appel à eux, parce que nous avons une situation de blocage contre un ensemble de gens pour une question d'échange, parce que nous pouvons simplement bloquer des potentiels gens qui sont devant, qui sont venus comme candidats, et pour ne pas avoir une décharge. Ils trouvent ça malsain, et ils disent qu'il faut que nous corrigions tout. Nous avons toujours été dans la page politique là, ensemble avec ancien candidat à la présidence dans l'élection 2015 passée, Éric Jean-Baptiste, qui réagit sous processus qui est entamé pour choisir un nouveau premier ministre dans le pays. D'après Éric Jean-Baptiste, nouveau premier ministre dans le moun qui gagne compétence, connaissance nécessaire dans l'administration publique là, à capacité pour mettre tout secteur ensemble. L'imandé cependant pour parlement par le président République là toute liberté pour choisir premier ministre là cap non intérêt population. L'était dans micro Jean-Serginho Lindorm mise au point sous TNH. Tu as gagné un premier ministre qui gagne et le profil d'un homme conciliant, qui est capable de rallier et les intérêts pour le capable de joindre le juste milieu. On est qui honnête, qui n'a pas gagné en tant que femme. On est une femme, naturellement, qui n'a pas gagné en tant doute de corruption, d'immoralité, qui sous tête lui. Faut que tu aies un qui est compétent. Parce que nous croyons dans la compétence et il faut faire un nègre qui gagne l'amour au paysan. Parce que paysan, si vous n'avez pas aimé paysan, si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas le cœur, si vous n'avez pas la tête, si vous n'avez pas vivre paysan, eh bien, il y a très difficile pour vous pour capable de diriger. La situation ça limite des citoyens honnêtes, des citoyens qui t'avaient servi le pays dans des difficultés. Ce n'est pas uniquement les gens qui font servir le pays qui est bloqué. Mais il y a d'autres monde qui t'a servi le pays, mais qui a réfléchi, qui dit ah, mon cher côté, ça ne pas rentrer là-dedans, parce que si je rentre là-dedans, je fais 20 ans sans que je ne pas jouir de droit politiquement. Par exemple, moi-même, Éric Jean-Baptiste, qui a un rêve, mais qui a une vision pour le pays, avant qu'un poste que je pas l'offrir là, pour me prendre. Parce que automatiquement, tu as un poste là, ou pour le cognac là, ou automatiquement, tu as perdu droit politique ou, pendant 20 ans. Parce que, mon dibou bon ou des charges là, c'est des politiciens que tu as, il y a bloqué au Parlement, en bas. Donc, c'est extrêmement
et malheureux, c'est tout problème ça yo tout qui gagne qui doit mettre sur le tapis, c'est tout problème ça yo qui gagne dans constitution pays, dans façon que n'a dirigé, c'est toute question ça yo qui doit mettre sur le tapis. Selon où mon on parler là pour d'agression mon qui doit aller dans sortir dans classe politique là, dans la société civile, dans le secteur privé des affaires et qui contrôle là dans comme ça. Les compétences se trouvent partout. Et c'était un bon bagage qui était politique pour politiciens fait. Parce que souvent, on peut dire qu'il y a fait politique ici en Haïti. Moi-même, je suis un politicien. Même pas un politicien traditionnel. Donc, il faut que quitter politique là pour politiciens fait. Monsieur Société Civile, etc., va là comme des forces de pression. Mais il faut laisser la politique aux politiciens. Évaluation et sensibilisation sous discrimination yon fait sous Vodouizan, c'est thème yon projet Confédération Nationale Vodouizan Haïtien, KNVA, ak Mission Nations Unies lancé jeudi. Responsable KNVA, Evoni Georges Auguste, dénoncé persécution, li di abjoint nan détruit péristilio. Responsable mandé tout Vodouizan collaborer pour assurer sécurité enquête yon nan kad projet sa. Li te nan micro nou, lab di nou plus. C'est gros problème tolérance ak manque respect pour la nature qui menait nan détruit péristyle tiye initié gwetoyo et de détruit pied bois tout partout nan pays a sous base yo se de habitation des monts devant gros problème social ça grand serviteuria KNVA nan tête collé à tout monde ou bien groupe qui voulait wè justice établie en Haïti a fait promotion pour qu'il y ait tolérance. N'a fait sensibilisation, formation pour vaudouisans. N'a chimène de ça, KNV après a réalisé un projet qui relait évaluation et sensibilisation contre discrimination qui fait sous vaudouisans. Projet ça a duré 3 mois et la bout dans mois octobre 2018 là. C'est mini juste dans section CVR qui ban nous pique beaucoup de main dans l'argent pour financer projet a nan j'effort li a fait pour garantir droit à sécurité tout le monde et améliorer condition la vie chaque citoyen. N'a profité mandé tout vaudouisan conséquent qui sensible et qui veut ouais vaudou à continuer avancer pour prendre vraie place li dans société a à tout l'autre monde ou bien groupe l'autre monde qui a goumé pour qu'embe la paix dans pays a vinn pote solidarité yo nan pote kole ak nou pour projet ça tourner réalité. N'a di équipe Minijis la merci pour honneur yo fait nous pour vinn pote kole avec nous nan lancement projet ça. Représentant Mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, MINUJUST, y a annoncé un projet pour aider renforcer domaine protection citoyen dans le pays. KRS Manovic Milos fait connaître projet ça, c'est une manière pour réduire violence en dans communauté. KRS Manovic Milos, c'est dans le micro Stéphanie Charles et Henri Robert Chéry. Le projet qu'on est en train de lancer fait partie dans le sens plus large des activités de réduction de violence communautaire. Mais c'est un projet, merci beaucoup, mais c'est un projet qui est particulièrement ancré dans le domaine des droits de l'homme. Et ce projet, on le fait à suggestion et en étroite coopération et collaboration avec nos collègues de droits de l'homme qui sont présents ici, et dans le but de renforcer ce domaine de la protection, donc, des citoyens et des citoyennes en Haïti. Donc, la protection en général est au cœur de la réduction de la violence communautaire dans différents domaines, et ce projet se situe particulièrement dans le domaine des droits de l'homme. Dans ce sens-là, j'aimerais vous féliciter ce lancement et les efforts à venir. J'espère que ces efforts communs vont aboutir à une paix durable et une égalité durable de tous les citoyens en Haïti.
Et puis, nous faisons qu'on est organisation Famille Lavalas, mettez en bout dans le programme Université d'été qui était démarré 20 juillet 2018, là. Initiative ça qui déroulait sous thème politique et société, c'est occasion pour renforcer capacité jeune qui fait partie organisation Famille Lavalas. Y'a un extrait dans le micro Rodney d'Orléans avec Michel Joseph. C'est un ensemble de formations qui permettent nous renforcer capacité théorique et pratique nous. C'était occasion également pour organisation de évaluer, restructurer et renforcer différentes commissions ad hoc. Comme ça tout, l'université d'été a te permettre organisation tailler banda sous un ensemble de thèmes qui liés à politique et puis société. Dans ce sens, participants qui sont en majorité, membres de commission ad hoc, ont bénéficié ensemble connaissances pratiques sur la réalité de vivre journée aujourd'hui. L'université de Tessila, by commission, yo, bon gens outils théoriques et pratiques pour permettre de vivre plus solide chaque jour plus. Nous interpréter la réalité politique pays nous. Premier coup de pied nous dans l'actualité en sous-plan international. Amenez-nous dans le pays Brésil, ensemble avec ancien capitaine de l'armée brésilienne, non? Député Jair Bolsonaro, candidat pour poste président dans l'élection présidentielle qui vient pour dérouler dans le mois octobre, Cap Vinila, dans le pays Brésil. Député ça, c'est une extrême droite qui fait promotion idées conservatrices dans le Brésil. On suit. D'après dernier sondage, candidat extrême droite pour présidentiel brésilien qui a déroulé dans le mois octobre, Jair Bolsonaro, placé dans tête intention vote yo dans premier tour. Jair Bolsonaro, un député influent, ancien capitaine de l'armée, jeune soutien trois petits garçons, yo même tout qui s'est élu dans pays Brésil. Pour candidat gauche là, Guilherme Boulos, Bolsonaro, c'est pas un adversaire politique, mais un opposant pays Brésil. Kapaïlia met en ligne une vague populiste à contestation contre dirigeants brésiliens yo, Denis Anisayo, quelques citoyens même parlaient de retour l'armée pour gérer pays. Merci Betty. Et puis j'en t'ai dit dans le grand titio, dans le pays Japon, période chaleur, déjà la cause 15 monde mouri d'après bilan officiel. Yo. Médias locaux yo, recensé 11 cas en mort pour seule journée samedi. Et puis plusieurs milliers de monde t'es éteigné l'hôpital. Autorités japonaises ont bail quelques nouveaux conseils à avertissement lundi passé contre vague chaleur. Température a varié entre 35 à 40 degrés Celsius, avec un record historique 40,3 degrés Celsius dans la capitale pays Tokyo. Grand Mounio et Genti Mounio représentaient catégories qui plus sensibles à la vague chaleur qui portait en même temps un gros pourcentage d'humidité. Travail bétonnage à plusieurs rues en ville, dans centre-ville Limbé, démarré depuis semaine passée. Citoyens en commune ont exprimé contentement pour travailler sa yo cap fête dans le cadre caravane changement. Dans quatre programmes renforcement production de l'eau potable dans le pays, à dîner pas visité aujourd'hui à Ak la Presse, travail cap fête dans plusieurs stations dans le département l'Ouest là. Présidence Land en tête collée avec mairie Delma avancé avec programme infrastructure route qui portait nom construit trottoir, mettez asphalte. Dans l'occasion 49e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoit jeudi lundi un membre comité gestion centre ambulancier national, docteur Didier Hérold Louis. C'était occasion pour docteur à parler sous mission scan, bilan activité comité ça. Avec perspective, yo. Conseil supérieur salaire réalisé lundi 23 juillet à Yonchit a parlé avec divers moun qui travaillent dans les médias, yo, dans l'idée pour collecter informations sur le secteur A pour compléter 5e rapport, yo, et puis remettre les bails pouvoir exécutif, là,
dans mois août cap vinila. Et puis actualité en sous plan international dans pays Japon, période chaleur déjà la cause 15 moun mouri d'après bilan officiel yo. Média local yo recensé 11 cas en mort pour seule journée samedi an, et puis plusieurs milliers de monde étaient éteignés l'hôpital. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti journal là pour semaine ça dans présentation an, c'était Linela Sandra André. N'a remercier toute équipe là qui était mobilisée pour te river en possible, et puis n'a souhaité nous toutes une très bonne semaine avec une très bonne fin de soirée sous Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.